Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un seul livre. C'est une genre de vidéo que je faisais beaucoup avant, donc il y a un an ou plusieurs mois, fait que ça fait assez longtemps. Mais j'aimerais ça commencer à en refaire un peu plus souvent des vidéos où je parle d'un seul livre à la fois parce que ça fait un contenu un peu plus léger. Paradoxalement, j'ai le temps là, vraiment de m'étaler sur un livre, de dire tout ce que je veux dire dans un temps plus restreint vu qu'il y a un seul livre. Donc, je vais essayer de faire ça. Avant de commencer cette vidéo-ci, j'ai la voix qui commence à grincher comme si j'étais malade. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on a grimpé de 695 abonnés à 720. Alors, bienvenue aux nouveaux venus. J'espère que vous allez vous plaire ici. Merci, merci beaucoup. C'est ça, je voulais prendre le temps de vous remercier. Puis, je suis vraiment contente et excitée parce que c'est ça, ça grossit la famille de BookTube Québec en général. Moi, c'est vraiment ça que je veux, c'est qu'au Québec, on accueille de plus en plus de Québécois qui aiment lire ou qui savent pas s'ils aiment lire, mais qui aimeraient ça découvrir des nouveaux ouvrages. Donc, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ma plus récente lecture d'aujourd'hui. Donc, il s'agit des Contes de Michel Faubert, publiés chez Planète Rebelle. Alors, pour les nouveaux venus, vous le savez probablement pas, mais j'aime beaucoup la maison d'édition Planète Rebelle parce que c'est une maison d'édition qui se veut audio également. Alors, bien sûr, on va avoir le texte des contes papier ici, mais le but, c'est de prendre le petit disque ici et de l'écouter, pardon. J'aime beaucoup leur mission parce que ils vont réhabiliter et rendre populaire, dans le fond, cette manière de lire qui se fait par l'écoute. Parce que là, j'ai l'impression que dans notre société, en ce moment, c'est beaucoup par la vue qu'on lit majoritairement à 99%. Mais depuis un an à peu près, ben, l'audio redevient un petit peu, pas nécessairement la mode, mais redevient une option. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de programmes audio. Planète Rebelle, c'est sa mission, c'est de trouver des conteurs au Québec pour nous raconter des contes et vraiment qu'on va les écouter. Alors, j'avais déjà lu avant celui-ci, j'avais lu Contes d'Irlande de Mike Burns. Et c'est dans celui-là, le premier conte audio que j'ai écouté, que je me suis habituée pendant toute ma lecture. J'ai essayé de m'habituer au rythme du conteur qui raconte parce qu'il faut qu'il prenne certaines pauses pour qu'on ait le temps d'assimiler l'information. Et j'avais beaucoup de difficultés pendant toute ma lecture à m'habituer à ce rythme-là. Donc, le conte en lui-même était super intéressant, mais j'avais l'impression à la fin de ma lecture que peut-être que la lecture audio n'était pas pour moi. En fait, c'est faux, c'est que j'avais pas trouvé mon conteur. Et Michel Faubert en fait définitivement partie maintenant. Il y a une manière de raconter, son vocabulaire aussi y est pour quelque chose. Il y a une manière de raconter qui est juste vraiment agréable. J'avais pas l'impression de me forcer ou que je m'habituais. Justement, j'ai une préparation avec les contes d'avant. Mais ce que j'ai le plus apprécié chez Michel Faubert, c'est sa lucidité de sa propre position de conteur parce que il va tout le temps insérer des petites phrases, pas trop pour t'énerver, mais juste assez pour te montrer que il sait qu'il est en train de te raconter une histoire. Fait qu'il va dire, moi je raconte pas d'histoire, je vous dis que telle fille faisait telle chose. Fait qu'il y avait aussi un usage humoristique de son propos. Il se mettait en distance par rapport à lui-même ou par rapport à ses contes. Je trouvais ça vraiment drôle. Fait qu'en plus de l'histoire que tu lis, il y a aussi un autre discours qui se fait en deuxième degré où c'est Michel Faubert qui commande sa propre position. Deuxièmement, les contes étaient tellement bons. Étonnamment, dans les contes d'Irlande, il y en avait que je connaissais déjà. Peut-être que c'est dû à ma grande passion de l'Irlande. Pour ceux qui ne savent pas, je capote sur l'Irlande et je suis allée en Irlande l'été passé. Mais voilà, fait qu'il y en a que je connaissais déjà, donc j'avais moins cet élément de surprise. Ici, c'était de la surprise de A à Z. On a 7 contes. Le plus long, il dure 20 minutes. Le plus court, il dure 3 minutes 4. Et durant les 7 contes, je savais pas c'était quoi la suite, la fin. Je voulais savoir. Donc l'intrigue est vraiment captivante aussi. Les sujets que les contes abordent sont tellement actuels, je trouve, je les appréciais énormément. On parle, vous allez peut-être faire un lien avec la situation politique occidentale actuelle. On parlait des personnes, de tout le monde dans la vie, qu'on a notre propre version de la réalité et qu'on l'applique à tout le monde. Sauf que des fois, ça crée des problèmes de communication. C'est-à-dire, il y a un personnage qui va penser que la réalité, c'est telle chose, que son mari la trompe ou je sais pas trop quoi. Fait que là, elle va agir en conséquence. Mais le mari en question, lui, sa réalité est tout autre, puis c'est pas ça qui se passe. Fait que lui, il va agir en conséquence. Et là, ça crée des problèmes. On parle de mensonges, on parle de loyauté, d'amour, de famille.
Mais cette partie-là d'une réalité subjective à la personne, à l'individu, c'est une grosse partie de ces contes-là et je trouve ça tellement pertinent et actuel. On penserait quand on raconte des contes, les sujets, c'est dépassé, c'est vraiment on entre dans un autre monde, on s'évade, ça n'a aucun lien avec la réalité. Mais non, ceci, bien qu'on se situe dans un monde où il y a des châteaux, des princesses et des princes, c'est ancré dans notre réalité actuelle. Fait que ce lien-là entre les deux, ça montre que les contes peuvent être justement rattachés à ce qu'on vit actuellement et que c'est pas tout le temps des trucs super éloignés. Je suis pas certaine si c'est toutes des nouveaux contes que Michel Faubert racontait ou si il y en a qui repris de peut-être de contes passés qu'il a déjà racontés. Parce que Michel Faubert, c'est un grand conteur du Québec, mais moi je connaissais pas du tout. Fait que j'ai vraiment appris que c'était une grande sommité du conte tout récemment, justement en prenant ce livre-là que Planète Rebelle m'a passé, donc m'a donné plutôt. Ouais. Si ça vous intéresse, je vous considère forte. Je vous considère, oui, bien sûr, mais je vous conseille aussi fortement d'aller jeter un coup d'œil aux divers contes qui sont à faire chez Planète Rebelle parce que ça me tient à cœur, hein, c'est pour ça que je veux parler de cette maison d'édition-là. Parce qu'il n'y a pas juste des conteurs comme québécois ou irlandais et tout. Bien sûr, ça se passe au Québec puis c'est en français, mais on peut avoir des contes plus antillais aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des contes pour enfants. Ça, je trouve que c'est des contes qui peuvent être appréciés au deuxième degré, plus par les adultes. Bien sûr, on peut raconter ça aux enfants aussi, mais je trouve que c'est plus pour les adultes. Il y a vraiment une grande diversité et leur mission est tellement importante parce que ça donne un plus gros panorama de lecture, comme je l'avais dit. Donc, pour ceux qui n'habitent pas au Québec puis qui aimeraient ça lire, par exemple, les contes de Michel Faubert, sûrement que sur leur site, on peut commander leurs livres s'ils ne sont pas disponibles dans les librairies françaises ou suisses ou belges ou antillaises, peu importe. Sûrement que sur le site internet, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et aussi aller jeter un coup d'œil à qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur mission. Voilà, fait que je vous laisse là-dessus. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, comme vous l'aurez deviné, et je suis maintenant beaucoup plus optimiste quant à mes futures lectures de contes parce que je sais que je peux apprécier la lecture audio puis qu'il faut juste que je trouve mon conteur. Alors voilà, on m'en avait dit beaucoup de bien. Fait que là, j'avais des attentes hautes et là, ça me faisait peur, mais ça a été à la hauteur de mes attentes. Alors, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle journée, des belles lectures, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!